Vous m'entendez? Je vous entends pas, ma gueule. Jeff. Ah, ça y est, je Ah, vous entends. mais c'est incroyable. Ah, c'est... Voilà, je suis chafouin. Il ne faut pas être chafouin, ma gueule. Ah, mais les problèmes de santé sur problèmes de santé. Bon, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, hein. Bah très bien, moi je vais réparer les véhicules alors. Vous voulez réparer les trois taxis là? Déjà le mien et puis après voir pour les autres. Sinon on appelle, hein, ils vont venir ici, hein. On sort les trois. Alors pour trois, je ne sais pas si ça vaut le coup. Si. Du coup, comment trouver nos taxis là? C'est les nôtres? Ouais, c'est la note, oui. Ah mais oui, ils ont été changés. Bah oui, les logos. Vous étiez là quand on avait vu les logos la première fois? Bah, on avait surtout vu la peinture, mais... Ah oui! Oui, il y avait les points... Voilà, donc en fait ça a été Oui. changé et du coup maintenant c'est sur les deux mêmes portes. Ah bah parfait. Ouais, ça, oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça, on est d'accord, hein. Par contre, le jaune c'est le mien, mais je sais pas lequel je préfère entre le jaune et le noir. Moi, je préfère le noir. J'ai l'impression que ça rend mieux sur le noir, hein, quand même. J'ai l'impression que ça rend mieux sur le noir. Dites-moi, on va sortir les deux odorats, s'il vous plaît. D'accord. Et bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la place de parking sur votre gauche? Ici. C'était sur votre droite, mais c'est pas grave, Je me je me suis suis trompé. trompé. Bah, Bah, prenez prenez là là où où j'étais, j'étais, je je vais vais mettre mettre là là où où je je voulais voulais que vous vous alliez, alliez, mais mais je je me me suis suis trompé. trompé. Juste,
Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Attendez, j'en sors un dernier. Ah, je peux pas. Attendez. Faut en bouger un. Sortez le Broadway, s'il vous plaît. Ah, du coup, pour vous montrer, je pense qu'on vous a déjà montré, ça c'est la nouvelle flotte qu'on avait achetée. Oui, vous m'y avez présenté. Voilà, donc celui-ci, le Broadway, le dernier que vous avez sorti, ça va être le véhicule des patrons. Celui-ci. Et des Uber. Oui, celui-ci aussi, puisque c'est un deux places. Très bien. Et celui de Uber, si on part genre en patron Uber, pour des rendez-vous, tout ça. Parce qu'en tant qu'Uber, vous pouvez faire des choses patronales si on n'est pas là, par exemple. D'accord, par exemple, voir la mairie. Par exemple, si on a des taxes, nous, on peut vous transmettre les taxes et vous les récupérez, par exemple. Par Je vois. exemple. Ou les contrats au Béniz, par exemple. Vous les Ouais. faites, vous le notifiez sur l'intranet, comme quoi vous avez payé le contrat et on vous rembourse, par exemple. Ah, c'est bien noté. Cependant, du coup, vous voyez, il y a du coup deux dynasties, deux Eudora. Vous avez le choix entre une dynastie et une Eudora. Parce que techniquement, le jaune là-bas, c'est le mien, et il y a une Eudora, c'est à Logan. Il faudrait que je les conduise. Voilà, donc, Peut-être le Dora. testez là ce soir si vous souhaitez. Et le deuxième ira pour Amaro. Suite à nos messages échangés, je n'ai pas encore vu si Logan va faire un retour ou pas. Durcissement des règles, bien entendu. Je vais essayer de trouver un moyen pour les absences, pour que ça soit vraiment notifié, parce que moi, hier, je me suis retrouvé comme un con tout seul. Et Oui. ça m'a bien fait chier. Après, Effectivement. Mais voilà. le système de coche était bien, mais je crois qu'il n'était pas là cette semaine. Surtout que Amaro m'a dit, si tu veux, je m'en charge, Jeff. Ah oui, mais vous Voilà. cherchez les problèmes. Vous l'avez confié à Amaro. Je lui ai dit, je vais le faire, mais il m'a dit, non, vas-y, je m'en charge, Jeff. Ok, bah, charge-en toi. Ah, bah, je l'ai attendu. Bref. Voilà. Je vais envoyer un mail à Aiden. Je vais le repasser expérimenté. Nous sommes trois Uber, trois patrons, c'est trop. Deux suffisent. Surtout qu'Aiden, on lui a passé parce que c'est un ancien, mais en soi, il pourra pas donner d'aide de plus que cela. Je vois. Du coup, vous, on vous a dit du coup la comptabilité. Et c'était quoi l'autre truc? Les contrats. Les contrats. Donc, ressources humaines, en gros. Ok. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, parce que bon, faut attendre qu'on ait des nouvelles recrues. Amaro, lui, va se gérer de la communication et tout ce qui est du coup de la gestion du garage. Qui d'ailleurs, j'attends toujours le message de présentation de son truc. Qu'est-ce qu'il doit présenter? Son idée? Son idée, non, la gestion du garage, comment il veut présenter la chose, comment il veut gérer la chose en fait. Il doit nous montrer comment il veut gérer la chose pour qu'on respecte ce qu'il veut faire. Ah oui. Du coup, moi, du coup, j'aurais. Bien entendu, hein, la Eudora, c'est en plus de votre taxi 7, c'est ça, hein, le 7, vous. Tout à fait. Donc, vous aurez le choix entre le 7 et l'Eudora. Voilà. Ah, c'est l'un ou l'autre? Ah, c'est. Non, le 7, en fait, vous est attitré tout le temps. Ah oui, d'accord. Mais vous avez l'Eudora en plus. Ah, parfait. Sauf que si vous utilisez souvent le 7, en fait, il faut qu'on sache pour le contrat au Bénise, en fait. Je vois. Moi, je partirais du principe que même si on les utilise pas, il faudrait les. Faudrait tous les mettre dans le contrat. C'est-à-dire que ça dépenserait de l'argent en plus, et si on les utilise pas, c'est vrai, c'est pas vrai. forcément le plus viable. C'est vrai, mais le truc, c'est qu'on a une flotte qu'on n'utilise pas, donc vaut mieux les utiliser, en fait. Je vais Je l'essayer pour la soirée. préfère ne pas utiliser les Stanier et les réutiliser que quand on est en hiver, parce qu'ils roulent très très bien sur la neige.
et prendre plus cela en été. Je vois. Mais voilà, donc c'est du coup, vu qu'il y en a quatre dans les nouvelles flottes, donc il y a deux dynasties, deux Eudora, là on est deux patrons, enfin trois patrons, mais Lisa n'en veut pas. Donc on est deux patrons à en avoir un, et du coup les deux Eber. Ah bah ça me semble plutôt envisageable. On restera ces cinq-là dans le corps staff, en gros, on va dire staff. Et il n'y aura personne d'autre qui pourra monter en Uber. Très bien. Jusqu'à qu'il y en ait un des Uber qui décide de partir ou un patron qui part et qu'il faut remplacer. Par exemple. Durcissement des règles pour l'instant, à voir à ce que Logan va répondre. Voilà. Et oui, comme j'ai pu vous le dire par message, faites attention à comment vous présentez des fois les choses, parce que ça peut être très très mal interprété. Oui, mais j'ai bien compris que les gens se vexaient facilement. Non, mais en fait, c'est pas forcément vous, c'est la façon dont vous faites. En fait, comme faut comprendre que vous venez d'une classe de personnes que, enfin, moi j'en ai un peu côtoyé avec mes parents, donc. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais il y en a, ils ont peut-être pas l'habitude avec ce genre de catégorie de personnes, par exemple. Oui, j'ai bien l'impression. Voilà. C'est juste, bah, il y a peut-être une façon de présenter les choses, sans être moins violent ou autre. Parce que je vous cache pas que même si moi j'ai côtoyé des gens un peu comme vous par le passé, bah, j'ai eu l'impression, en lisant votre message, bah, qu'en fait, nous, bah, on n'a rien branlé et voilà. Ben non, mais pourtant J'ai... j'avais bien précisé. Enfin, je veux Ah oui, bien non, mais je suis travailler, mais d'accord. que. Je sais que c'était bien précisé, mais en fait, la tournure des choses, comment ça a été tourné, bah, même moi, j'avais l'impression, bah, en fait, on nous reproche de rien faire. Tu vois? D'accord. Juste. Après, c'est bien que tu proposes des idées, tout ça, hein. C'est bien, hein. Il t'en veut pas par rapport au fait que tu proposes des trucs. C'est juste pas bah, la tournure des phrases que tu fais. On essaie de s'adapter à toi parce que on peut pas changer une personne, on est d'accord. Donc on s'adapte à toi, essaie de t'adapter à nous. Je vais voir ce que je peux faire. Après, c'est pas un reproche, hein, c'est plus des conseils hein, que je te donne. Et comme j'ai dit dans le message, on est tous venus ici à Los Santos pour changer de vie. Hein. Donc on a tous ce même point commun. Oui, je sais pas pourquoi tout le monde est venu à Los Santos, mais après, je vais m'adapter à lui, hein. J'ai réussi à m'adapter au docteur Lexi, je ne l'avais plus tellement, donc. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Chacun a sa façon d'être. Il faut se respecter les uns les autres, et voilà. Et du coup, ouais, il faut s'adapter du coup aux autres. Par exemple, Logan, lui, il a pas trop. Je crois qu'il a pas trop été avec des gens fortunés dans sa vie. Donc, faut lui laisser le temps de s'adapter à vous. Et Ou lui après, vos idées expliquer sont. comment réussir sa vie, peut-être que ça pourrait l'aider. Non, 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 faut mieux pas, sinon ça le vexerait encore plus. Ah. Non, non, je connais Logan depuis bien longtemps maintenant. Non, non, vaut mieux le. En fait, vaut mieux s'adapter avec lui. J'ai un peu du mal à voir comment, parce que je ne peux pas lui parler comme à un valet, je ne peux pas non plus lui parler comme à quelqu'un qui est riche. Alors, vous pouvez pas lui parler comme un valet, pourquoi? Parce que ce À n'est pas votre un avis? valet. Non, mais à votre avis, pourquoi? Il va se vexer. Bah, pas forcément. Au jour d'aujourd'hui, bah, il est au-dessus de vous. Donc, ça peut pas être votre valet en étant au-dessus de vous, en fait. Ah oui, mais alors du coup, je cherche des façons de lui parler, mais. Bah, il faut lui parler quand vous êtes au boulot en tant que patron. Il faut lui montrer le respect. Enfin, voilà. Il faut lui parler comme votre patron quand on parle boulot. Après, je sais pas, hors service, quand on fait des balades, comment vous pourrez vous y prendre? Mais pour le boulot, bah, parlez-lui en tant que patron.
en tant que votre supérieur. Je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, non, après, faites au mieux. Et après, s'il voit qu'il y a des efforts de fait, ça devrait aller, ça devrait s'arranger. Et pour vos idées, moi je pense qu'on est pas mal. On essaie de trouver un compromis, vous avez vu? À la base, vous avez proposé une idée, on s'était mis d'accord sur un truc avec Lisa et vous. On a proposé l'idée à Logan, Logan a rétorqué, il n'était pas d'accord. On a essayé de trouver des idées derrière. Oui. On essaye d'avancer. On trouvera bien une solution. Et même avec Logan, on s'est mis d'accord avec Logan et Lisa de pas bouger les salaires du coup des recrues et des novices. Et de les laisser en dessous de 200, les deux. Ça, j'étais d'accord. Après, oui, non, mais là on va. Là aussi, j'ai vu que vous aviez été d'accord. Après, là, le truc qui comment s'appelle? Là, qui ralentit un peu, c'est à partir de. Expérimenter Uber et patron. Moi perso, en tant que patron, mon salaire, qu'il soit 250, 280, 300, j'en ai rien à foutre. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Pour vous dire, je vais vous donner une idée, hein. Logan, vous avez vu comment il avait bossé avant de repartir. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez que sa prime, il n'a pas voulu la prendre, il l'a laissé au taxi. Mais je crois qu'il avait dû en parler, oui. Il l'a laissé au taxi. Donc, il s'est donné à fond parce qu'il savait qu'il allait repartir et être absent pendant plus de 2 semaines pour remonter l'entreprise. Donc, vous voyez, on revient au message que vous avez posté. Quand on vous lit, qu'on a l'impression qu'on nous dise qu'on n'a rien fait pour faire en sorte que l'entreprise monte, bah, si je reprends son exemple d'il y a 2 semaines, ça colle pas, vous voyez. Il me semble, je sais plus si je l'avais noté, mais il me semble que je l'avais bien dit pourtant que je voyais bien qu'il avait fait pas mal de courses et je vous l'avais même dit. Vous m'avez Voilà. dit oui, mais en même temps il part après. Je dis oui, mais. Oui, mais c'est normal. Après, mais moi, si je pouvais, mais vraiment, moi, si je pouvais faire 300 courses toutes les semaines, je le ferais. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas. Et je sais bien qu'en tant que patron, je dois montrer l'exemple. J'en suis conscient. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas. Reprenons hier, par exemple. Hier, j'étais tout seul en service. J'ai eu plein de trucs à gérer. Je n'ai pas pu faire mes courses. Imaginez, je me suis levé, j'ai fait 3 courses. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Courses de taxi, entreprise. J'en ai pas eu beaucoup, mais courses de taxi, entreprise. J'en ai eu 2 hier. Non, 3. J'en ai eu 3. J'ai eu 3 courses hier. Ensuite, vous vous souvenez des deux larbins là qu'on avait, ouais, je vais les appeler les larbins, qu'on avait Ça leur va très recrutés bien. et qu'on a virés. Oui. J'ai été porté plainte au LSPD parce qu'ils n'avaient pas rendu leur taser. Ah oui. Donc, j'ai été porté plainte au LSPD. Le LSPD m'a dit, il me faut leur contrat et une attestation de renvoi. Tiens, tiens, tiens. Leur contrat C'est un peu 1. embarrassant parce que oui, vous Le m'aviez contrat expliqué. 1, je ne l'avais pas fait. Et de 2, je n'avais pas fait de lettre de renvoi. Du coup, j'ai été à la mairie pour me renseigner s'ils n'avaient pas une lettre de renvoi, un modèle de lettre de renvoi, qu'ils m'ont fourni. J'ai retrouvé du coup Lamar, un des deux larbins, du coup, à la mairie. Je lui ai parlé. Je lui ai demandé s'il avait un taser. Il m'a dit oui, j'ai su que mon frère il avait. Je lui ai dit, bah, on va partir au principe que c'est le vôtre. Vous me le rendez, je vous envoie un contrat. Après, de ma poche, j'ai payé parce que je pouvais pas antidater la lettre de renvoi. Du coup, j'ai dû le renvoyer. Techniquement, là, il est renvoyé depuis hier, le 19. Je vois. Du coup, je lui ai dit, si tu étais là le 17 et le 18, tu me dis le nombre d'heures où tu es venu en ville et je te régularise tes salaires. Parce que techniquement, vu pour la loi, je l'ai renvoyé hier, je suis obligé de le payer. Comprenez? Oui, mais allez, je vous Du écoute. coup, je lui ai dit, le temps que tu étais en prison, on est bien d'accord, je te les paye pas. Par contre, du 17 et le 18 que tu étais là, et au 19 jusqu'à que je lui ai envoyé les documents, bah, je lui ai régularisé, du coup, ses salaires. Bien entendu, je n'ai pas pris dans l'entreprise, je l'ai fait de ma poche.
Comme ça, Ça, c'est un peu embarrassant quand même. je m'en fous, j'ai pas besoin de thunes. Très bien. Donc du coup, je lui ai régularisé 16 salaires à 140 $ le quart d'heure. Du coup, 240, 2 240 $ pour les jours où il aurait dû travailler chez nous, vu que je l'ai viré légalement le 19. C'est embarrassant parce que je crois qu'un taser, ça coûte 2000. Oui, je sais. Mais voilà. Après, je l'ai fait de ma poche, mais je m'en fous. Très bien. Parce que, imaginez, si je le reprends son taser sans le régulariser, sachant que techniquement, on était hors la loi par rapport au contrat et à la lettre de renvoi, bah, je préfère régulariser plutôt qu'il attaque en justice derrière. Tu vois? Oui. Après, techniquement, c'est de ma poche. Donc, je perds certes 2 400 $, parce que le. Enfin, 2 040 $. Non, 240 $, pardon, parce que c'est 2 000 le taser. Mais l'entreprise, en soi, elle n'a rien perdu, vu que c'est de ma poche que j'ai payé. Parce que là, on est d'accord. C'est un point de vue. Et voilà, du coup, après avoir fini ça, je suis retourné au LSPD pour retirer ma plainte contre Lamar, mais par contre, j'ai laissé sur Isaac. Parce que Isaac, je ne l'ai pas vu hier. Parce que techniquement, Lamar, il m'a rendu le taser. Je vois. Et ça m'a pris du coup entre 21 h 30 jusqu'à 23 h environ. En comptant les courses de taxi entre les deux. Et après, vu que j'étais tout seul en service, je suis parti me coucher, il était 23 h 30, je crois. D'accord. Du coup, j'ai pas trop pu faire de boulot. Quand je suis là, n'hésitez pas à me demander. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Moi, hier, j'étais tout Là, seul j'ai en pas mal. service, ça m'a cassé des bonbons. Voilà. Oui. Ensuite, on a eu des idées avec Logan avant-hier aussi. Pour ça aussi que j'ai pas pu faire beaucoup de courses avant-hier. Logan a proposé une journée porte ouverte. Le week-end qui arrive. Oui, qui consisterait en quoi? Du coup, faire des dons du sang, je crois. Alors, on a profité de l'événement du coup pour demander au LSPD, enfin au LSMS, s'ils veulent venir faire une campagne de don du sang pendant cette porte ouverte. Oui. Parce qu'en fait, le but, ça serait de proposer une porte journée porte, enfin 2 journées porte ouverte, un week-end porte ouverte en gros, pour faire visiter le dépôt, faire montrer la flotte de taxis, enfin de véhicules qu'on a, et pourquoi pas faire quelques courses avec des gens s'ils le souhaitent pour voir comment se passe le métier. D'accord, vous voulez mon avis? Je veux bien votre avis. Hein, le présenter les locaux, c'est, enfin, c'est, oui, pourquoi pas. Enfin, je vois, mais je vois, enfin, ce que vous voulez faire. Mais ça n'apportera pas beaucoup d'argent à l'entreprise. Là, c'est pas pour faire gagner de l'argent, là, justement. Oui, mais c'est quand même plus ou moins la Oui, priorité actuellement. mais en fait, le but aussi, c'est de proposer lors de cette journée porte ouverte, du coup, de faire montrer comment se passe le métier, comment on travaille, et aussi leur dire, bah, en fait, les taxis proposent également des locations de minibus ou des tours de minibus ou une location de limousine ou des balades. Montrer aussi vraiment tous les services qu'on propose. Pour faire la pub aussi, en gros. Ne voudriez pas que j'aille au Weasel pour faire la pub, par Ben exemple? justement, c'est nous qui faisons la pub directement dans nos locaux. Pas Oui. mal. En plus de ça, journée porte ouverte, le Weasel, ils viennent, ils veulent faire une interview ici. Ils prennent des photos, ils nous font un bel article, ça fait de la pub encore plus. Vous comprenez? Mais vous les avez invités? Pour l'instant, c'est en pourparler. On essaie déjà de savoir qui sera là ce week-end, le week-end Oui. qui arrive. Parce que si je suis tout seul ou que Logan avec moi, on n'est que deux, on va pas le faire. Il nous faut du monde ce week-end-là. Après, on a eu une autre idée. Allez-y. Après, ça va faire rentrer un peu d'argent, mais pas beaucoup. Mais ça pourrait faire potentiellement rentrer de l'argent. Une course de vélo caritatif. Par exemple. Les gens, ils vont venir faire un tour de vélo sur un circuit défini. On dit c'est 100 $ l'inscription et 50 $ pour les nouveaux arrivants. Ça nous fera pas un gros capital, on est d'accord. Oui. Mais derrière,
On peut faire d'une pierre deux coups, parce que, vu que ça serait caritatif, il y aurait une boîte à dons. Sauf que tous les dons seraient renversés pour une association. Nous. Ah. Non, l'association Puma, dont je suis, comment ça s'appelle? Membre. Enfin, bénévole. Ce qui veut dire que si cela se fait, la publicité, vu qu'on passe par une association, vu que ça serait un truc caritatif, on n'aurait pas besoin de demander de subvention à la mairie pour le faire, vu que techniquement, pour les associations, on le font d'office. Donc, l'association pourrait faire la pub pour nous. Donc, D'accord. on aurait un circuit. Tous les bénéfices du coup des inscriptions nous reviendraient. Bon, on va partir sur un principe qu'imaginons on gagne 5 000 dollars. Techniquement, c'est 5 000 dollars. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est 5 000 dollars. Mais ça pourrait montrer aussi que les taxis peuvent créer des événements. Oui, effectivement. Voyez. Parce que je vous cache pas que moi, ça va bientôt faire un an que je suis dans l'entreprise. Je me tourne. Enfin, je me demande encore dans ma tête. Enfin, j'ai plein de trucs qui fusent dans ma tête et je me demande si c'est pas le temps de raccrocher. C'est pas le moment de raccrocher. Vous comprenez? Ah oui. Donc, j'essaye de trouver des idées pour me retirer cette idée de la tête, pour faire en sorte de changer un peu parce que je vous cache pas, me lever, travailler, dormir. J'ai l'impression de faire que ça depuis quelques semaines. Je vois à quel point ça peut être fatigant. Ah, vous devriez comprendre, hein, en tant que patron, vos entreprises hors d'ici, c'est usant, hein, de faire du travail dans l'ombre. Hein. Après, c'était les plus grandes entreprises. Il n'y avait pas un. Je n'étais pas un pourcentage aussi élevé qu'ici. Dans le Mais sens. voilà. Là, si une personne est absente, ça se ressent beaucoup plus. Moi, les Voilà. entreprises que j'ai, elles sont plus grandes. Elles sont autosuffisantes, en quelque sorte. Oui, je suis totalement d'accord. Mais voilà. Mais l'idée, voilà, elle est là. C'est promouvoir peut-être nos véhicules, promouvoir nos services pour la journée porte ouverte. Et pour la course de vélo caritatif, c'est encore à définir, mais avoir le prix de l'entrée, combien on fait. Moi, je partirais peut-être plus sur du 200-100, tu vois. Et de toute façon, après, il faut faire la demande au LSFF. Enfin, au LSFF. Non, au. Merde. Le CFLS. Le CFLS pour la location des vélos. Pour l'installation du circuit. Enfin, vous comprenez? Vous Donc, connaissez ça quelqu'un sera. qui s'y connaît en événement? Oui. Je pourrais lui demander. Je pourrais faire Mais si vous voulez. vu que ça serait du vélo pour faire en pleine nature, ça nous semblait logique avec Logan qu'on demande à Puma si ça les intéresserait. Oui. Parce que Puma, en fonction de là, on veut faire le tour de vélo, pourrait nous dire, bah attention, ici par exemple, bah, il y a des animaux dangereux. Tels des pumas. Un truc caritatif, je crois que c'est la première fois qu'en plus à Puma on le propose. Et puis nous on l'organiserait, mais faut pas oublier que l'association Puma a des bénévoles qui pourraient participer aussi à l'organisation. Oui, je vois. Ça serait une organisation conjointe. Et s'il y a des dons, ça pourra faire plaisir à l'association. Et du coup, encore une meilleure entente avec eux. Pense que, vu l'association que c'est, on doit bien s'entendre avec eux déjà. En plus, en étant bénévole chez eux, oui. Mais après, si vous avez d'autres idées d'événements, par exemple, nous, l'année dernière, bon, bah, on était à perte, mais on avait fait un événement qui a quand même suscité beaucoup de demandes de courses de taxi. Lequel? Je parle courses de taxi entreprise. Pas les courses hebdo. On a fait une tombola avec une voiture à gagner à la clé. D'accord. Bon, on n'a pas remboursé la voiture, bien entendu, hein, ça serait trop gros.
Mais on a fait pas mal de courses taxi. Mais du coup, on a l'entreprise a payé pour la voiture. Oui, mais avec une petite subvention de la mairie. La D'accord. mairie, elle a payé la moitié, je crois. Mais on pourrait refaire une tombola comme ça, mais avec un truc peut-être moins gros à gagner, par exemple. Mais vu qu'on a déjà mis Viséo la première fois, c'est compliqué. Peut-être autre chose alors. Nora, donc Nora Lee, la docteur là, m'a dit pourquoi pas faire un tour bus. Techniquement, l'idée, on l'a déjà dans les petits papiers. Mais juste que moi, en fait, je voudrais pas aller dans des lieux qu'on connaît déjà tous. Par exemple, l'observatoire, c'est trop connu. Le théâtre, c'est trop connu. Le Sisyphus Theater. Oui. Voyez? La fête foraine, c'est trop connu. En fait, il faudrait trouver des lieux atypiques, enfin, typiques, enfin, qui sont pas trop connus du grand public, mais qui sont des coins spéciaux à aller voir. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait un palais de justice? Je crois, oui. Est-ce que vous savez où il est? Il est pas dans le sud. C'est dans le sud, il est pas loin des quartiers sud. Mais J'ai dû passer devant, oui. dans l'idée, il faut voir les lieux qu'on pourrait faire visiter, par exemple. On a eu aussi une autre idée avec Logan. Après, à voir si on met ça en place. Promotion sur les tarés, sur les balades en limousine et les courses type balade le week-end, le samedi et le dimanche. Genre, au lieu de faire 1000, 2000 $ la location de la limousine, bah, la faire à 1000 $. En gardant le tarif de 300 $ le quart d'heure ou 500, je sais plus, pour Oui. la limousine. Et pour les balades, bah, faire. Au lieu de 500, faire genre 250 $ le quart d'heure, par exemple. Peut-être proposer des promotions tous les week-ends, ça peut être une solution. Et peut-être pas genre tous les week-ends limousine et les balades. Peut-être juste genre un week-end, bah, le taxi vous propose ce week-end, le samedi et le dimanche, moins 50% sur les courses type balade. Vous nous appelez pour nous dire pour vous balader dans la ville. Et c'est la promotion, quoi, par exemple. La Oui, semaine mais il faut d'après, pas qu'on ça y peut soit être. perdant, par contre. Ah, techniquement, on ne sera pas perdant. Parce que c'est une course de balade. Oui. Par exemple, si la personne veut louer la limousine une heure en week-end, bah, techniquement, on perd 1000 $. Parce que on fait une promotion. Parce que là, on est d'accord. Oui. Mais derrière, après, tu gagnes quand même de l'argent. Vu que tu fais le tour de l'île pendant une heure, tu comptes. Genre, tu compterais genre 500 $ de quart d'heure. Techniquement, tu gagnes quand même. Tu perds juste 1000 $ de D'accord, la oui, je vois. location, c'est tout. Et le but, c'est de montrer aussi qu'on peut faire des promotions pour dire, bah, en fait, bah, en semaine, ah, bah ouais, bah, en fait, on aurait peut-être pu louer la limousine des taxis, par exemple. Imagine pour le mariage d'Anna et Noah. Oui. Je pense si ils avaient su avant qu'on avait une limousine, peut-être qu'ils l'auraient louée, par exemple. On sait pas, hein. Pour un mariage, ça aurait été beau une limousine. Oui. Mais en fait, ce que je veux expliquer, c'est que les gens sont peut-être pas forcément au courant qu'on a ce genre de service. C'est plus pour redémocratiser le truc que je voudrais qu'on fasse ce genre de promotion. Moi, si vous voulez, je peux voir avec le Weasel parce qu'un article, moi, si j'y vais, je leur explique et on voit ça. Et là, Louisa, elle est fermée. Moi, je veux bien, hein, à voir. Faudrait déjà qu'on se mette tous les quatre d'accord avec Amaro et Logan et Lisa, enfin tous les cinq du coup. Parce que vu que vous êtes maintenant des Uber, vous avez quand même vos mots à dire. Même si à la fin, c'est nous les patrons qui décidons si oui ou non on valide. Oui, je vois. Mais vous avez quand même vos mots à dire. J'ai fait quoi hier, attendez. Parce que j'ai même contacté Dr Gray pour l'engager en tant qu'avocate. Bref, mais voilà dans l'idée ce que je voulais vous dire. Bon, on gardera tout ça alors. Mais voilà, vous. Parce que moi je vous le dis, hein, vous êtes notre meilleur élément, j'ai pas trop envie de vous perdre, quoi. Je comprends bien, c'est.
Voilà, faut s'adapter à chacun s'adapte comme il peut. Des fois, ça peut prendre plus de temps que d'autres personnes, donc voilà. Et vous inquiétez pas, le salaire pour l'instant ne change pas, mais dès qu'on aura trouvé un compromis tous ensemble, on mettra tout en place. Ce serait bien de voir rapidement quand même, parce que Je ça se ressent quand même tous les jours. suis d'accord, mais pour l'instant, si Logan il est pas là et que Lisa n'est pas là, on peut pas trop en parler. Et Amaro, bon, bah n'en parlons pas. On va mettre la question sur notre site et comme ça on Ah, mais verra ça plus rapidement. la question elle est déjà posée, c'est juste j'attends des réponses maintenant. Ah, Bah puis on... je vous ai donné la bouteille d'eau. Ah bah très bien. Vous me l'avez shippé, Michael. Mais là, vous mettez un message dessus, vous leur dites, bon, bah, Merci. j'attends vos réponses, s'il n'y a pas de réponse dans 3 jours, on prend une décision. Et pour moi, la décision elle est prise, hein. Et bah voilà, et bah du coup, il faut la Non, prendre. mais moi, c'est ce que je vous ai dit. Mais je suis pas tout seul à gérer. Je suis patron, Non, mais mais... j'en ai deux à côté. Hein. Oui, mais vous m'entendez pas. Là, vous mettez un message, vous leur dites, j'attends vos réponses, si dans 3 jours, ils n'ont pas répondu, c'est que soit ça ne les préoccupe pas, soit j'en sais rien. Mais si vous leur mettez pas de date butoir, ils vont attendre. Ils vont pas vous répondre sur le site. Je veux bien que vous preniez les décisions à trois, mais là vous les prenez tout seul et vous attendez leur réponse. Seattle, on avait une expression, c'est faut prendre le taureau par les cornes. Vous n'avez pas l'air d'accord. Non, c'est bon. Effectivement. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà même très bien. Bah, c'est ma proposition que j'ai faite et je l'ai mis en réponse, comme ça ils voient de quel message je parle. Voilà. Parfait. Faut que je prépare le message pour Aiden, pour le prévenir du coup qu'on va le repasser expérimenter. Et je vais pas lui dire que c'est contre lui, je vais lui dire que c'est par rapport à ses absences, même si elles sont prévenues. Techniquement, il a prévenu, hein, donc il n'y a pas de problème pour ça. Oui, j'en doute pas. Voilà. Mais bon, un poste à responsabilité, c'est vrai que si la personne n'est pas là. Parce Mais il que n'en moi, a pas surtout en je l'ai fait. jamais vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Il n'a même pas de responsabilité. Ah bah alors, oui, alors d'autant plus, effectivement. Bon, je vais peut-être aller faire des courses, moi, finalement. Ça marche. Ok, ça marche. Bah moi, je vais faire un truc et après, je vais y aller aussi. Je vais quand même réparer mon taxi avant Ah oui, il n'y a pas de de souci. tester le Fedora. Il n'y a pas de souci. L'Odora, le truc. Oh, au pire, prends le Dora, le taxi, on peut le laisser comme ça, Maro s'en changera. Non, au pire, Oui, non, je vais le réparer, hein, sinon c'est... j'appelle. Non, mais attendez, pour aller Oui, le Dora, vous... je vais appeler le Bénis, je vais faire réparer les trois, t'inquiète pas. Bon, bah, c'est une bonne solution. Et je vais faire réviser aussi mon Dynasty, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Très Donc ça bien. fait 4 comme ça. Bien, bon courage à vous, alors. Lequel est celui de Logan? Je crois que c'est le 20. T2, je crois que c'est celui-là là-bas, celui de Logan. Si je me trompe pas. Non, je prends le 23. Ouais, par contre, Très bien. il y aura peut-être besoin de retirer. Prenez l'autre plutôt, celui de Logan. Celui-là, il y a des pneus tout-terrain, donc essayez-le d'abord de base sans. Ok, très bien. Laissez la porte du garage ouverte, par contre, s'il vous plaît. Très bien.
Oh, ce véhicule est impossible à conduire. On est d'accord, hein, c'est une caisse à savon. Ah, mais c'est même pire que ça, je ne peux ni accélérer ni freiner, et quand je tourne, ça fait du surplace. Faire des cas, essayer la dynastie, c'est un peu moins qu'est-ce à savon, mais c'en est une quand même. Je crois bien que je vais faire ça. Tester du coup le jaune, parce que le noir, elle est le tout-terrain également. Bon, je vais arriver alors. Le Bénis est en train de réparer les taxis. C'est terrible, c'est terrible comme voiture. Oui, la Edora, c'est terrible. Bah, essaye celle-ci, tu m'en diras des nouvelles. Oui, bah je vais tester. Ah, c'est nos nouvelles flottes, du coup.
Michael, t'as bien laissé le garage ouvert, hein. Oui, tout à fait. Bon, ça se passe mieux avec celle-ci? C'est de la merde. Ah ouais, il pleut? Oui, ça n'arrange rien mes affaires. Vous avez essayé sous la pluie ou avec la pluie? Ou sans la pluie? Là, il pleut un peu moins, là, mais j'ai essayé. Mais avec la pluie, c'est incroyable. Avec la pluie, c'est la merde. Est-ce que vous voulez essayer, du coup, les deux, mais avec les pneus tout terrain? Ah, si ça patine encore plus, je ne suis pas sûr. Ah, techniquement, les pneus tout terrain devraient faire en sorte que ça patine moins. Bah, au pire des cas, essayez-les. Et vous tirez. Ça marche? Très bien, bon, j'essaierai. Moi, du coup, je vais prendre la E2. Je crois que vous avez la 22. Comment? La 22. Je disais, la E2 que vous aviez prise, c'était laquelle? Et c'est la 22. Oui, c'était celle de Logan. Ah bon, bonsoir, mais je ne suis pas dans votre rue. Ouais, je sais, je suis juste venu voir comment ça allait. C'est de la merde, cette voiture. Ah ouais, je me doute, hein. Ça ne tombe pas. Force à vous, force. Bah je... Oui. Allez, bah... On fait ce qu'on peut. Ouais, bah bonne course, Michael. Merci, bon courage. Bordel de merde.
Michael? Oui. J'aimerais que vous me rejoigniez au dépôt des taxis, s'il vous plaît. Je sais que vous vouliez faire des courses, mais faut qu'on parle. J'arrive, mais c'est important d'être sur place. Oui, parce qu'on va bouger en même temps, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous transmettre un message, et du coup, je vais vous emmener en vous parlant en même temps. Oh, attendez, est-ce que c'est une personne de couleur rouge? Une personne de couleur rouge? Non, la personne n'est pas rouge de peau, non. Mais d'habit. Rouge d'habit de... non. Ou du moins, j'en ai pas entendu parler. D'accord, dans ce cas, moi non plus. Mais alors, du coup, j'arrive. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas une personne d'un gang. Vous inquiétez pas. Normalement, quand vous allez voir le véhicule que j'ai sorti, vous allez peut-être comprendre. Je suis là dans 800 mètres. Genre des croissants ou pain au chocolat, tout ça. Ah putain, fais chier. Ah mince, non, bah non, bah non. Peut-être qu'on commandera bientôt en grosse quantité. Pour quoi, je ne sais pas encore, mais peut-être dans les semaines qui arrivent. Ouais. Pour donner une idée, on prépare une petite porte ouverte et on voudrait mettre des petites collations à disposition. Yeah, ça marche. Bah, déjà, on voit pour si on a du monde pour ce week-end, donc pour le week-end qui arrive, parce que ce week-end c'est trop tard, hein, on est déjà samedi. Si ça serait, mais sinon, non, ça serait vraiment dans un futur très proche, quoi. Ah non, 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 demain, non, pas possible demain. Ouais, de toute façon. De toute façon, on va pas faire. Oui, je sais que c'est... on va pas faire un truc alors qu'il y a la semaine ouverte à la ferme. Qui d'ailleurs, je pourrais pas y aller, quoi. Ah oui, non, t'inquiète, ce sera. C'est là, c'est juste un renseignement, comme je t'ai dit. J'ai pas dit, je vais te commander tout de suite. Non, mais. Et la question qui me vient du coup, en fonction de la quantité, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un prix ou pas? D'accord. Parce que bon, on va pas non plus se ruiner, mais au pire des cas, c'est pas perdu après. Mais ouais. Ok, ça marche.
Ou après, s'il n'y a pas de remise, voir si on peut payer du coup en ticket resto. Une partie, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça, je préfère m'y prendre en avance pour que vous puissiez déjà vous mettre d'accord sur les choses. Parce que même moi, pour l'instant, je sais même pas encore quelle commande on va faire et pour quand ça sera en fait. Mais c'est juste, ouais, parce qu'on est en pour parler sur ce projet-là, donc. Ok. Ça marche. Et au pire des cas, de toute façon, si on commande trop, c'est pas perdu après. Hein. Bon, c'est juste qu'on viendra pas trop souvent pour remplir le frigo de l'entreprise, quoi. Oui, bah justement, c'est ça, c'est ça. Oui, t'inquiète. Ouais. Yes, ça marche. Alors ouais, pour l'instant c'est la quantité et pour quand, ça qui bloque. Mais en soi, l'idée en soi de faire la journée, enfin le week-end porte ouverte déjà, c'est sûr. Mais ouais, du coup, j'essaie d'apprendre un peu de l'événement pour savoir avant quoi. Ok, ça marche, nickel. Merci beaucoup, Axel. Allez, la bonne soirée. Salut, salut. Bon, t'as reconnu où on est? Oui, bah, j'ai bien compris, oui, effectivement. Aïe. Putain, j'ai eu peur, je vous voyais en dessous, Michael. Ah, c'est embarrassant. Excusez-moi, j'ai eu un petit doc lobby là. Oui, j'avais cru comprendre, effectivement. Ah, mais les problèmes de santé, c'est Attendez. incroyable.
Excusez-moi, je reviens. J'ai un truc à faire. Très bien. Excusez-moi, j'ai eu un petit temps pour moi, désolé. Pas Michael? de problème. Excusez-moi. Oui, du coup, la personne qui m'a eu au téléphone, du coup, travaille ici. Bon, un peu comme le même principe que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Logan. Adaptez-vous aussi à eux, parce que bon, semblerait que vous n'avez pas été très agréable avec eux. Pardon? Alors attendez, parce que là, il va falloir. C'est un peu fort de café, je trouve. On On a est été d'accord. plus que patients avec le docteur Lexi. Je sais, je Ils sais. nous ont ignoré la moitié du temps, voire les Je trois sais quarts, bien. et ils se sont amusés entre eux l'autre partie du temps. Je sais bien, je Moi, je sais veux bien bien. m'adapter, mais si je m'adapte à eux, je me barre tout de suite. Ah non, mais toi. Non, en vrai, non, il m'a appelé parce que apparemment vous avez laissé vos affaires ici. Oui. Enfin, je l'ai eu au téléphone pour les pubs des taxis. Mais il semblerait que vous avez laissé des affaires à vous ici et que même si. Potentiellement, il est en froid avec vous. Bah, il a été très, très sympathique. Il vous a fait une lessive. Ah. Donc, du coup, il vous demande de venir récupérer vos vêtements. Donc, voilà. Très bien. Je vais l'appeler pour lui dire qu'on est là. Monsieur Hartmann, nous sommes sur le parking. Je répète, nous sommes sur le parking. Ah bah c'est Nick. Ah bah s'ils sont tous les deux, c'est bien, comme ça il sera pas au téléphone. Ah non, c'est pas Nick à côté. Bonjour, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Du coup, Très sympathique cette tenue. merci beaucoup. T'es très classe, John. Merci, merci, c'est pour ce moment. Ah oui, bah oui. Je me doute. Ah oui, demain il y a la scène ouverte ici, Michael. Ah oui, j'ai su. Alors moi, malheureusement, je Yes. pourrais pas être là parce que ça commence à 22h et que je dois me coucher à 23h. Ouais, je vois, je vois. Bah, Complexe. venez à l'intérieur, hein. Oui, on peut aller à l'intérieur. Vous allez bien, vous? Moi, ça va. Vous venez d'arriver? Oui et non. Oui, non, c'est-à-dire... Je suis arrivé il y a un peu longtemps, mais ça dépend ce que vous considérez un mois. Oui, enfin. Voilà. Alors, Michael, faites attention quand vous passez à côté de cet énergumène. Je crois qu'il peut s'énerver très vite. Exactement. Mais en même temps, il est assis en plein milieu de l'escalier. Oui, mais je vous dis ça parce que je crois que lui, il a déjà failli me tuer en me tirant dessus. Ouais, il est violent, lui. Il a Ben, tiré dans mon véhicule à l'époque. faut le virer de chez vous. Yep. C'est un travailleur extérieur de chez nous. Ah. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? Un café, du thé? Alors, moi, un jus d'orange, c'est Un jus possible. d'orange, ça marche. Et vous, Michael? Eh bien, un jus d'orange aussi, oui, pourquoi pas. Ça En plus, marche. tu pourras goûter du coup leur Ah bah, nouvelle gamme. super.
Et potentiellement, on pourrait les du coup partenariat les retransmettre du coup donc pendant nos courses de taxi. Voilà. D'accord, bah très bien. Ça Comme ça, on pourrait être verra fait. ce que c'est. Et aussi du lait de fraise, je crois qu'il m'avait fait goûter. Oui, du lait à la fraise, oui. Du lait à la fraise, oui. C'était très bon aussi, d'ailleurs. Et aussi on passait parce que tu m'avais dit du coup qu'il avait des affaires à récupérer. Oui. Je les ai mis dans mon bureau, là. J'arrive. Merci. Enard? Oui? T'as les jus d'orange? Ah non, je les ai pas vus. J'affectionne très particulièrement ce lieu, Michael. Comment ça, c'est-à-dire? Avant que Monsieur John et Monsieur Nick soient les patrons de cette Excusez-moi, je entreprise, pensais qu'il les avait trouvés. a pas de souci. Mon cousin en faisait partie, Michael. Ah, Et oui. on était le patron. C'est vrai. C'est pour ça que je j'affectionne très particulièrement ce lieu. Voilà. Moi, je le trouve très très bon ce jus d'orange. Il est pas mauvais, un peu acide, mais ça va. Après, ça reste du jus d'orange. Si vous n'avez pas l'habitude d'en boire, c'est normal. Je ne sais même plus la dernière fois où j'ai bu du jus d'orange, mais très. Ouais, très bien. Et voilà pour vous. Ben, mais... Oui, je les ai mis dans un carton pour pas que ça s'abîme. Ah bah, T'as les clés du parfait. taxi, si tu veux les déposer, n'hésite pas. Oui, je vais aller les déposer, comme ça ce sera fait et je reviens. Ça. Nickel. Ah, et les Il est gitans pas sont si vraiment très bons. où D'ailleurs, t'es où? Ah merde, je suis plus sur la radio. Sur... Ah, c'est vrai, moi aussi, je suis plus sur la radio. J'ai tendu par de plomb non Énard, loin où d'ici. es-tu? C'est quoi la radio déjà, Michael? On ne peut plus. Bien entendu, la dis pas. C'est T'es 14-18. où? Bah, rentre. C'était une blague, hein. Oui. Alors, en même temps, je voudrais en profiter pour vous parler d'un truc. Avec Logan, on a une petite idée, potentiellement, de faire un événement de type course, enfin tournoi de karting. Ah, cool. Mais inter-entreprise. Ah oui. Est-ce que vous serez chaud ou pas pour en De faire? fou. Moi, oui. Ah, nickel. Vous, Michael, vous serez chaud ou pas? Du karting? Ouais, un tournoi karting inter-entreprise pourrait être fait, non? Bah pourquoi pas? Ben, nickel. Du Pourquoi coup, pas? la ferme aurait une écurie, les taxis auraient une écurie. Le Benny, je pense que oui. Ils pourront même les Oui. réparer s'il le Il n'y a même faut. pas besoin de proposer au Bénin, je pense qu'ils acceptent direct. Mais pour l'instant, c'est juste un projet, mais voir déjà si les entreprises sont partantes pour le faire, quoi. Ouais, voilà. En plus, là, comparé au calendrier de l'Avent, on pourrait proposer également les Speedy et les CMS et à G6 de le faire. Même à la mairie. Un calendrier là-haut. Le calendrier de l'Avent de Noël, là, tu te souviens pas? Si, si, oui, mais c'est pour tard alors. Sauf que. Non, mais comparé au calendrier Ah, de ok, l'Avent, non, pardon, oui, où c'était j'avais pas pour. demandé Ok, où est les j'avais pas Speedy, où est les CMS et à G6, parce que c'était des services publics compris. qui n'avaient rien vraiment à proposer pour Oui. faire des lots. G6, Bah c'est si, une garde privé. à vue gratuite.
Ça sonne Et plutôt voilà, non, encourageant. mais non, voilà. Et le calendrier de l'Avent, par exemple, chaque entreprise avait proposé des lots. Oui. D'ailleurs, un jour, s'il y a un certain numéro qui nous vous demande une limousine, Michael, aux courses entreprise en disant que c'est son lot du calendrier de l'Avent, ça veut dire que c'est gratuit pendant 1 heure. D'accord. Parce que c'est son lot du calendrier de l'Avent, du coup, qu'il n'a pas encore utilisé. Il n'y a pas de date de péremption? Non, c'est un lot où il a gagné, il peut l'utiliser quand il veut. Bon, on va quand même lui donner une date de péremption au bout d'1 an, quoi, parce que bon, ça fait un peu trop gros sinon. Bah oui, ouais. Ou lui rappeler qu'il y a droit, parce que ça se trouve, la ouais, personne. Oui, non, mais il le sait, mais je pense qu'en fait, cette personne attend que sa mère revienne, mais je vais peut-être lui pousser au cul pour lui dire, bah, ta mère, ça fait quand même déjà 4 mois qu'elle n'est pas revenue. Ah, c'est. Oublie. Oui, l'autre là. Oui. Oui. Merde, comment il s'appelle? Merde, Charlie. Charlie, ouais. D'ailleurs, Charlie Verdun. Je vais l'appeler, je vais lui demander. Non, il est au Shell Goumi, je crois. Shizen, oui. Ouais, Shizen, Shell. Attendez, j'appelle. Merci, il va me répondre. Ah bah, bon, bah, bon c'est pas grave, je me rappelle. Très bien. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Pour moi, le jus d'orange, c'est OK, hein. Mais ouais. J'aimerais bien quand même voir avec Logan et Lisa avant. Bah attendez, je peux vous filer une caisson et puis vous goûterez là-bas. Bah donne pas de cargaison, c'est juste... c'est une façon de parler. Bah c'est comme tu veux. Le jus d'orange, ça te va? Combien? 5. 5? Ouais, ouais, ça fera l'affaire. Ou 10, comme tu veux. Bon, 5, c'est bien. 5, ok. Enfin, ça leur permettra de faire de la pub de leurs produits aussi. Oui, tout à fait. On faisait ça à l'époque avec le vignoble, je sais pas si on t'avait dit. Je crois, mais Cameroun en avait parlé. On faisait ça du coup à l'époque avec le vignoble, mais sauf que le vignoble faisait du jus de raisin, du jus de pomme. Oh, ouf. Le vignoble a fermé. John en était employé. Le maître des chats, ouais. Et du coup, on a refait une cargaison avant que le vignoble y ferme de jus de raisin et jus de pomme. Oui, que je disais que comme maintenant c'était un peu plus rare, il valait mieux les garder pour les revendre plus cher. Oui, voilà. Et on va se faire des couilles en or, en vrai, j'y pense. Bah oui. Et on a besoin de sous, on les revend. Hein. C'est du marché illégal, ça. En plus, ouais. Pourquoi pas? C'est... Ah, techniquement, c'est on les a rachetés, hein. Techniquement, voilà. On les a achetés, ouais. On les revend. C'est quoi le problème? C'est une denrée rare. Moi, j'en fais plus partie, donc... Une denrée rare, c'est une denrée rare. On en a plus de 200, hein, de chaque. Ah oui. On a filé les RGB, au pire. Hein. Oh, on va leur faire un petit prix, ouais. Ouais. Non, non, on va les garder pour nous. On va les utiliser chez nous. Très bien. Bah, merci pour le linge à Michael. Pas de soucis. Oui, merci à vous. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait, donc c'est très sympathique de ta part. Oui, moi j'étais parti pour les brûler, mais bon. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Ouais. Bah oui. Ouais, mais bon, ouais, y a pas de gâchis, quoi. Pour pas te mentir, Michael, je lui ai dit, il les a laissés là, t'aurais dû les brûler. Il t'en a fait une machine, il est gentil. Ah bah oui, moi en tout cas j'étais parti pour, mais j'avais pas de briquet sur moi, donc... Il m'a dit c'est du gâchis, du coup il te les a lavés. Eh, franchement. Ah mais c'est... Oui, c'est à la messe aussi, ils m'ont dit que c'était du gâchis, mais moi j'aurais dit, mais sinon j'en achète des nouveaux et puis c'est bon. Il m'a dit oui, mais c'est pas écologique, mais bon. Ouais, je te jure. Eh ouais, attends, mais je te l'avais dit, John, non? Oh, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Que... Et l'occasion, t'avais vu le dépôt, toi? Oui, oui. Ouais. Non, c'est là où on avait parlé de la médecine du travail et compagnie. Ouais. C'est qui l'a pas vu? C'est Nick. Nick, il l'a pas Nick, vu encore. Nick, il l'a pas vu. Bah, l'occasion, ouais, dis-lui de passer au taxi. Ouais, ok. Mais Yannard aussi, il l'a vu. Mais tu l'as vu, toi? Passez pas maintenant. Deux. Ouais.
Vous pourrez le voir très très bientôt, je pense. Oula. Ah non, on est en train de préparer un truc, on essaie de voir Ah les oui, d'ailleurs modalités ça quand même. avance pour le... Tu m'avais parlé d'un truc de mi accompagné, c'est ça? Hein, de quoi? Tu m'avais parlé d'un truc de permis accompagné. Ah ouais, peut-être ça pour l'instant. Non mais ça, Logan il bosse dessus, mais pour l'instant il bosse pas dessus. Ah, ok. Donc on verra plus tard. Très bien. Bah la bonne soirée à vous. Oui. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et bon courage. Et merci pour du coup la dégustation. C'est très Pas très de bon soucis. d'ailleurs. Hein. Continue comme ça, c'est du bon boulot. Merci. Et voilà. Hein. Michael, il va? Et ben c'est parti. Et à très bien. Bonne Et soirée, à bah très et bonne bientôt. soirée à vous. Bonne Bientôt. soirée. Allez, salut. Monsieur, dégagez là, vous me gênez. Monsieur, voyons. Non mais il est très gênant effectivement. Ah, attends. Ah bah, ah Oh, oui, il regardez, part. je l'ai fait bouger. Ah, attendez, j'ai oublié de lui poser une question. Attendez, je vais l'appeler. Ah, vous conduisez? Ouais, j'avais une petite question. Oui. Là, c'est d'un bénévole de Puma qui va la poser. Vous avez encore des problèmes de Puma ou pas? Ça arrive. Ouais, ok. Non, mais genre là, ça va pour l'instant, là. Passez tout droit, Michael. Ça évitera que je me refasse un doc lobby après. Ok, ça marche. N'hésite pas à l'indiquer sur l'intranet, du coup. Si jamais ça revient. Ok, ça marche. Ouais, mais peut-être du spam, mais si genre c'est tous les 2-3 jours, au moins on verra que c'est pas fréquent, tu vois. Ah bah si c'est tous les jours, ouais, ça sert à rien de spammer, quoi. Mais ouais, non, mais si jamais c'est trop... Au pire des cas, tu notes sur un papier, je sais pas, et tu mets une fois par semaine, tu vois. C'est une fois par semaine, genre tous les dimanches, tu dis, ben non, on a eu genre 7 fois cette semaine, par exemple, tu vois. Ou si tu veux pas spammer toutes les semaines, tu fais une fois toutes les 2 semaines. Et tu comptes en 2 semaines, par exemple. Enfin, c'est pour voir, pour que Nora puisse voir... Comment ça évolue, quoi. Ok, nickel. Allez, bah, bonne soirée. Allez, la bise. Bon. Allez, il est sympathique, vous a rendu votre linge. Oui, je regarderai, mais j'ai l'impression que oui, ils étaient bien, ils étaient plutôt propres. Ah, bah. Non, mais c'est peut-être pas... C'est pas parce qu'il travaille à la ferme, c'est vraiment des bouseux, Michael. Hop. C'est pas grave. Oh, c'est Il est terrible. vivant, il est vivant, je l'ai vu repartir courir de l'autre côté. Ah, mais il doit y avoir plein de sang sur le capot. Non, ça va. Bon, ça va alors. Vous inquiétez pas, ça va. Mais oui, mais le truc c'est que. Moi je voyais venir le cas où il m'aurait rendu les vêtements et finalement encore plein de boue. Non, non. Je l'ai côtoyé quand même assez souvent pour savoir, hein, qu'on peut lui faire confiance. Oui. Vous en faites pas. Comme je vous l'ai dit, hein, il n'était pas obligé de le faire, il aurait même pu cramer vos vêtements. Bah moi je l'aurais fait, mais d'ailleurs Hein. c'était j'étais parti pour, mais bon. Mais il m'a dit c'est du gâchis. Oui, tous les jours il y a beaucoup de gâchis de partout. Ah oui, bah après les textiles, c'est quand même devenu une denrée rare. Hein. C'est-à-dire. Un jour, le textile, il n'y en aura plus, hein, donc autant le garder. Hein. Ou du moins le faire recycler, plutôt que le brûler. Le taxi. Le textile. Ah, oui, ça fait plus sens. Je crois que vous avez oublié la sortie. Ah. Ou vous prenez la prochaine, non? Ah, c'est terrible. Bon, prenez la prochaine, c'est pas grave. Bon, du coup, comment vous trouvez du coup la dynastie?
C'est une caisse à savon, mais moins. Je suis tombé sur plusieurs personnes habillées en rouge, et ils ont eu pitié de moi. Habillées en rouge, c'est-à-dire lesquels? Ceux avec qui j'ai des problèmes. Vous avez encore des problèmes avec eux? Bah non. Ah, donc ceux avec qui vous avez eu des problèmes. Oui. Mais je les aime pas plus que ça. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord, vous les aimez pas plus que ça, mais vous avez qu'une fois des problèmes avec eux, vous en avez plus, là. Non, je crois pas. Bah, je suis passé pas très loin de chez eux, ils m'ont juste vu, ils m'ont dit, ah oui, on comprend, c'est pas facile à conduire, ce truc. Ah, mais tant que vous passez pas dans le lieu où vous êtes allé la dernière fois, ils vous feront pas chier. Hein. Mais même si j'y passe, de toute façon, il n'y a aucune interdiction, m'a dit le SPD. Oui, il n'y a aucune interdiction, mais c'est quand même chez eux. Oui. En fait, aux yeux du LSPD, où il n'y a aucune interdiction, mais si eux, après, c'est comme par exemple dans les zones à éviter que vous allez dans les zones routières, ben, s'il n'y a pas d'interdiction, il y a un accord avec le LSPD, mais si vous y passez, c'est à vos risques et périls quand même. Vous voyez? Ben, c'est à mes risques et périls, mais légalement, non. Ben, légalement, non, mais c'est quand même chez eux. On a un accord avec eux cordial, on essaie de le garder. Oui, je vois. Et de toute façon, je ne passe plus dans la rue. Oui, là, dans la rue, là, du coup, vous avez été touché, enfin, embêté la dernière fois, faut pas y aller. Par contre, si vous passez dans les canaux au milieu, vous pouvez. Ah bah oui. La rue principale, vous avez le droit. C'est juste dans la petite ruelle, vous n'avez pas le droit. Non, mais j'ai bien compris. Bon, essayez, si vous voulez, du coup, les dynasties avec les dynasties ou Odora avec les pneus tout-terrain. C'est comme ça, vous voyez. C'est laquelle, la noire? C'est pas celle-là. 19. Laissez-le dehors. Celui-là, je le prends. Bon, bah, je vais tester ça, alors. Attendez. Attendez, j'ai plutôt l'impression que celle-ci a plus les pneus tout-terrain. Non, celle-ci a pas les pneus tout-terrain, Michael. Et l'autre, elle les a? Non, non, en fait, essayez le Dora pneus tout-terrain plutôt. Ah oui, non, mais moi, le Dora, j'aime vraiment pas. Hein. C'est lourd, ça freine pas et ça n'accélère pas. Non, mais là, ça sert à rien, du coup, c'est la même chose. En fait, je viens de me rappeler, mais quand, vous savez qu'on avait fait des stickers là, la dernière fois? Oui. En fait, on avait remis les pneus normaux, celle-là. Ah oui. Terrible. Mais les Dora, vous voulez pas essayer avec le pneu tout-terrain? Ben, je pense que ce sera plus ou moins la même chose. C'est très lourd comme véhicule. C'est la 23. C'est la 23, les pneus tout-terrain. Ben, moi, je veux bien l'essayer, mais c'est quand même bien... Ah, faites le tour du pâté de maison ici, là. Bon, et après, vous voyez. Ça va ou pas du tout?
Ah, c'est un peu moins merdique. Du coup, vous faites des courses avec, là? Oui. Ça marche. Du coup, je vais faire mes petites courses de ce soir. J'essaie d'en faire une dizaine et de finir demain. Très bien.
Michael, est-ce que vous voulez faire une balade avec moi et Vicky tout à l'heure? Vous voulez aller où? Je sais pas, prendre mon 4x4, on voit, non? Ça va dépendre de mon point, de mon côté. Comme vous souhaitez. En tous les cas, je vous ai invité si vous le souhaitez. C'est bien noté. Ça devrait normalement arriver dans pas si longtemps que ça. Pardon, mauvaise manipulation. Elle se fout de ma gueule, ça fait deux fois qu'il m'envoie dans le quartier de Chizen. Ah, moi l'autre jour il m'a envoyé 5 ou 6 fois à la suite. Il va où lui? Du coup, sous la pluie, comment ça se passe avec le vôtre? J'ai envie de me tirer une balle. Ouais, donc même les tout-terrains sous la pluie, c'est de la merde. Hein. Ben, ça roule, mais pour tourner, faut être concentré, quoi. Ben, après, c'est juste de la prise en main du taxi. Hein. Regardez, moi, par exemple, la dynastie, je la contrôle super bien. Hein. Oui, je vois. C'est la caisse à savon, mais une fois que vous la prenez bien en main, la caisse à savon, ça devrait aller. Après, ça reste une voiture plutôt vintage et les clients sont très surpris des fois qu'on vient les chercher avec. Ah bah, croyez-moi bien que là, si je vais les en chercher un, il sera surpris, c'est sûr. Surtout que vu qu'on ne les sent pas souvent, c'est vraiment une belle surprise à chaque fois qu'on les voit. Par exemple, un client hier, c'est la première fois qu'il les voyait. Ah oui, je vois. Bon, il sera surpris s'il arrive vivant à bon port. Par contre, démarrage à l'arrêt, c'est vraiment compliqué. Ah oui, le démarrage, le frein, les tournants, il y a un peu tout, finalement. Ah, en soi, c'est plus le démarrage, vous patinez plus. Une fois que vous êtes lancé, normalement, après, il y a juste à ralentir, tourner, et ça va. Faut juste pas accélérer dans les virages, quoi, sinon vous glissez.
C'est bien noté. Bon bah viens, mais après au bout d'un moment, hein. Incroyable ça. Mierda!
pour la sortie, ça va se faire là dans... après ma course, Michael, si tu veux. Mais moi je pense que je vais continuer les courses parce que je comptais en faire au moins 25 et j'en suis qu'à 15. Bah, je comptais en faire 10, j'en suis qu'à 7, Michael. Je rattraperai le retard demain, moi c'est pas grave. Après, vous avez déjà fait des 50 courses demandées, hein, donc en soi, c'est pas trop grave hein, si vous faites pas les 125. Hein. Bon bah je fais une course et j'arrive. Ça marche. Vous voyez le parking multicolore où il se trouve ou pas? Oui, tout à fait. Ah, on se rejoint là-bas au parking... au parking du coup privé. Comme ça vous pourrez garder votre véhicule et moi comme ça je pourrais récupérer du coup mon 4x4. Prenez une tenue avec un casque, dans le doute on sait jamais. Une tenue avec un casque? Vu qu'on va aller dans les montagnes en 4x4, on sait jamais. Est-ce que j'ai le temps d'aller au Bénis avant? On peut passer au Bénis, enfin vous pouvez passer au Bénis si vous le souhaitez. Je vous attendrai là-bas, au pire des cas j'irai faire un aller-retour en cherchant Vicky chez elle. C'est pour réparer le taxi? Oui. Tu as des vitres de cassé. Est-ce que c'est des dégradations graves ou pas? Je vois ce que vous voulez dire. Parce que si c'est juste des petites égratignures, tout ça, GG pourra s'en occuper, on fera une révision demain. Bon, je vais au dépôt alors. S'il y a des vitres de cassé, on peut aller au Bénis. Mais si c'est juste vraiment des petites égratignures, GG va s'en charger. Mais barrez-vous! Mais je me suis fait vandaliser ma voiture, c'est incroyable. Très bien, bon, je vais au parking multicolore. Garez-vous du coup dans le parking à côté public. Il y a mon 4x4 qui sera là-bas, je vous rejoins. Très bien. Je vois des dingueries, c'est un truc de fou. Non, mais moi aussi.
Une voiture qui vient de nulle part, des gens qui ne savent pas conduire. C'est vous qui êtes sur l'autoroute, là? Enfin, qui êtes passé devant moi, l'autoroute? Probablement. C'est vous devant moi, là? C'est votre moto? Oui. Donc c'est bien vu que j'ai vu faire des dingueries avant de rentrer sur l'autoroute. Ah, ça dépend ce que vous entendez des dingueries. Je vous ai vu foncer dans des jambes. Hein. Ah bah non, alors c'était... Non, c'est... C'est un problème de relativité. Ah mais c'est très... C'est pas un 4x4, on peut monter derrière celui-là. Oui, mais c'est très appréciable le la grille au-dessus. Oui, bah, je l'ai remise parce que je l'avais déjà, mais je l'avais enlevée pour l'hiver parce que j'avais mis la bâche à la place. Ah. Parce que sinon, quand je faisais mes courses, bah, ils étaient trempés. Bon là, vu que le soleil y revient un petit peu, au moins comme ça, je peux me balader et mettre mes courses dedans quand il y a du soleil. Oui, je vois. Vous avez un casque hein, sur votre tenue? Tout à fait. Dans le doute, vu qu'on va aller en montagne, si jamais... Pour éviter de trop se blesser la tête, parce que le SMS est fermé pendant un petit temps, là. Comment ça, pendant un petit temps? Bah... Il est fermé ce soir, oui, mais... Bah, vous avez pas vu? Sur Twitter, c'était annoncé. Ah non, moi, je ne regarde pas Twitter. Ils sont tous désagréables dessus. Alors, attendez. Si je retrouve... Ça a été dit quoi? Attendez, je vais retrouver. Non mais je regarde. Vous conduisez. Ah, je ne t'inquiète pas, je conduis. Oui, ce... Ah non, c'est pas sur Twitter, c'est sur With the News. Pardon. Ah. Ah, c'est sur With the News. Moi, je vois le récap des payoffs. Juste un peu au-dessus, je crois. Nouvel album. Ah, communiqué officiel. Son effectif réduit pendant une durée indéterminée, je crois, pour l'instant. 19 au 25. Voilà, donc faut faire attention. C'est terrible. Je pense que vraiment, en cas d'urgence, ils viendront, mais pour l'instant, faut faire gaffe. Donc c'est pour ça, prenez votre casque, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Moi, tant que c'est pas Mao qui conduit, je suis plutôt confiant. Attends. Allô? T'es garé où? Par contre, mon cher chef, vous êtes sur la voie de... Oui. Ok, ça marche. Bon, ça marche, on t'attend en bas. À tout de suite. Oui. Mais ne vous arrêtez pas sur la route, Victoria. Ils attendront. Ah bah, ça va? Bah ça va plutôt bien, et vous? Bah très bien, même si on n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Alors, moi je voulais faire des courses, mais à chaque fois on a été embêté. Ah bon? Je suis en train de regarder Jeff, c'est... Alors qu'en plus, j'ai appelé la secondaire, hein. Ah oui. C'est très gentil, en tout cas de sa part. Oui, mais je crois qu'il ne connaît pas le frein à main, mais c'est un peu embarrassant. Ah, oui. Non, ça va, il s'en est sorti, en vrai. Bah oui, il s'en est sorti, mais... Ça restait pitoyable. Oh, non. J'ai toujours des bonnes intentions. T'as vu ma nouvelle voiture? Ah, mais très bien. Merci.
C'est bon, tu peux te garer. Merci. Merci. Non, il n'y a pas à dire, elle est très bien cette nouvelle voiture. Ah, merci beaucoup. Elle est carrée quand même. Elle est très basse. Oui, elle est un peu basse, je suis d'accord. Alors attends, on s'approche. C'est terrible parce que je pense que si un guardian passe dessus, il la touche même pas. T'as vu? Je lui fais de la place pour qu'elle se garde, c'est gentil. Hein. Oui, mais c'était un petit peu gênant quand même. Et... Pourquoi? Vous auriez pu utiliser le frein à main? J'ai peur aussi. Ah. Elle voulait pas. Et voilà. Eh ben putain. C'était toute une aventure rien que pour ça. Ah oui, oui, j'ai galéré à sortir le véhicule, mais au moins, j'ai pas mis les voitures dans ma roue. Oh, pire, c'est pas grave, genre. Allez, on est parti. Oui. Oui. C'est... 25. Ah, t'es pas obligé de le mettre tout de suite, hein. C'est dans le doute. Bien. Je préférais prévenir avant. Ah, attendez, c'est ça que je voulais faire à la base. Ah, mettre de l'essence, j'avoue, pas bête. J'ai des bidons, autant les utiliser. Économie. Voilà, très bien. On est parti. Et c'est Tipa. Où est-ce que vous voulez aller? Où tu nous guideras? Nickel. Michael, où est-ce que tu veux aller? Quel mot on n'a pas fait? On n'a pas fait le mont Josia, si? Je crois pas, mais on peut commencer par là déjà. Allez, mont Josia. Vous reculez. Je regardais les points GPS. Ah, ce soir, il n'y avait personne, genre. Ouais, je sais, c'est ce que Alex m'a dit. Littéralement. Bon, heureusement, Alia est passée pour faire mon chiffre de la soirée, mais sinon... Un petit puma. Oula. Oh bah. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais cassé la gueule. Potentiellement besoin de vos conseils. Ah bon? Dis-moi. Potentiellement. Je vais essayer de repasser le PPA. D'accord. Et théoriquement, je pense que ce serait avec Lexi, mais je ne suis pas sûr. Ok. Est-ce que vous avez des conseils? Des conseils? Bah, pas se merder. Merci, Victoria. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Oui. J'avoue, je vois pas tout ce conseil que je peux donner. Par rapport à quoi tu penses que... Enfin, tu t'es foiré la dernière fois? Bah alors, j'ai demandé plusieurs fois et je n'ai pas réussi à avoir de réponse concrète. Lexi m'a redemandé plus tard quelles étaient les pyramides. Bon bah, maintenant je sais. Quelles étaient quoi? Quelles étaient les pyramides? Les pyramides? Oui. Le nom des pyramides en Égypte. Mais c'est des questions rapides. Bah, c'est juste où t'es de ta gueule en fait. Non, je ne crois pas. Ah bien sûr, quoi, si, j'ai pas eu cette question, moi. Il y avait des questions rapides. Combien font 6 x 7? Qui a écrit les fables de je ne sais plus qui? Ah, les fables de La Fontaine, La Fontaine. Alors, moi, franchement, là, je commence à être perdu. Hein. Je ne saurais pas les questions. 8 x 7, 48. Hein. Là, c'était 6 x 7. 6 x 7, 42. Et puis, je l'aurais 8 x 7, ça fait combien, 8 x 7? 8 x 7, 46. 49, pardon. Ouais, non, je pas non, pas savoir. Non, 8 x 7, 64, pardon. J'ai parce jamais que... vraiment écouté en maths. Non, parce non 7... Attends, attendez. Non, attendez. Non, 54, 8 x 7. Putain, je me perds, moi. Franchement, j'ai un téléphone, hein. Bah, pourquoi je viens de savoir combien ça fait 8 x 7? Ouais. Écoutez. Hein. Pour réussir votre PPA, peut-être. Est-ce que vous l'avez, Victoria? Non, c'est quoi déjà? Le PPA, c'est le permis de port d'armes. Ah! Bah non! Attendez, vous me donnez des conseils, vous ne saviez pas de quoi en parler, mais... C'est terrible. T'as demandé des conseils, je t'en donne! Mais si c'est Lexi, allez-y habillé en jaune, en rose, je pense.
Oh, attendez, vous avez une très bonne idée là. Ouais. Mon cher Jeff, vous avez une très très bonne idée. Est-ce qu'on peut passer à un magasin de vêtements? Je peux conseiller pour du rosin. Allez. Il y en a un juste ici. Allons-y. Mais habillez-vous en rose, hein, si jamais vous passez le pépé avec Emma. Ah non, mais vous avez bien raison. Ah, je vais vous montrer. Eh, Vicky, viens, on met la tenue. On met la tenue? Ok. Allez. Très bien. Ah, t'es pas obligé de prendre la même. Sans ma gueule. Hop là. Je vais me changer. On est classe comme ça, Michael, non? Ouais. Franchement, on a du flow. L'important, c'est que ça vous plaise. Moi, ça me plaît de fou. Allez, hein, je m'assois. Sur le sèche, voilà. Regardez. Ah bah, si je m'assois, je vois plus ma gueule. Ah, très bien. Attends, non, attends. Hop là. Je sais que j'ai un gros cul, mais quand même... Oh, elle est jolie, la petite chemise. Ah, j'ai pas dit que t'avais un gros cul, ma chère Vicky. Pourtant, ce sera la vérité. Ah, c'est pas moi qui le dis. J'ai déjà réussi à remettre droit un flatbed rien grâce à lui. Donc, Ah bah... Ah, c'est utile, hein. C'est terrible, il n'y a pas de rose avec cette veste. Non. Enfin, j'ai un peu changé de style. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un kawaii, globalement. Qu'est-ce que c'est que ce kawaii? Mais une chemise rose tout court, ça vous irait pas? Une chemise rose comment? Juste une chemise rose. Je pense qu'il veut un peu plus de bling bling. Non, il faut une veste qui soit adaptée quand même. Il faut un veston qui va avec? Ah bah oui, sinon c'est n'importe quoi. Okay. Alors, en termes de couleurs qui vont bien avec le rose, bah, on peut toujours tenter le noir. Sinon le doré, c'est pas trop mal en vrai. Ça peut aller. Le blanc aussi, ça va trop bien avec le rose. Genre un petit veston blanc avec la veste rose et la chemise rose, ça peut être un peu cool. Non mais il faut que j'assure le passage, parce que sinon il faut encore que j'attende un mois, ça va être terrible. Oui mais avec la veste rose... Ah oui. Et le veston blanc, ça peut être cool. C'est de la merde, ça, non? C'est violet, ça, non? Ouais, c'est un peu mauve, genre. C'est pas vraiment rose-rose. En tout cas, c'est clair. Le problème, c'est que la couleur du gilet avec la chemise rose, il est quand même plutôt moche. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faudrait un gilet blanc, plutôt. Ah oui, mais il n'y en a pas. Oh. Ou alors... Alors une chemise de base. Ouais, mais alors faut vraiment alors qu'elle soit... Ah bah tenez, il n'y en a pas une comme ça, Franck ? Bon. Je sais pas. Son petit ami. Petit ami de qui? T'appelles pas Franck, hein? T'appelles Amaro? Non. Son petit ami au docteur Lexi. Ah, Hank. Hank. Oui, Hank. Oui, il en a une rose. Ah, je sais pas. Et la chemise là que je porte, non? Mais la chemise. Alors, elle est cool, mais c'est bon. Pas son style. Et en plus, oui.
Juste, il faudrait que j'en trouve une qui soit rose aussi. Alors là, il y a une veste bien rose. Franchement. Essayez le 35-3, Michael. Et vous voyez ce que vous pouvez mettre en dessous. Hein. Mm. Attendez, je regarde ça. Ça, c'est, oh, ça, c'est pas rose, ça. Non. Par c'est contre, plutôt blanc cassé. Hein, regardez, du coup, la 35-3, Michael. Alors, parfait. Et en plus, avec le dessous que vous avez, là, ça va. Nickel. Je suis à peu près sûr que c'est la tenue qu'a Franck. Oh, Franck. Oui. Comment? Hank. Hank, pas Franck. Oui. Et bah, bonne fin de service. Bonne fin de service. Et Jeff te souhaite une bonne fin de service. Moi, je ne sais pas qui c'est. C'est Clan qui parle. Jeff. Dis-lui le patron des taxis qui est venu voir, enfin qui est venu voir tout à l'heure. Le patron des taxis qui était venu voir tout à l'heure avec Alex. Ah, mais là... Et elle te remercie. Là, c'est sûr que je vais l'avoir, le PPA. Franchement, ouais. Tu peux mettre ça, Jeff. Oh, parlant de ça, j'ai vu une tenue il y a pas longtemps. Je suis un Qu'est-ce peu cool, que non c'est, que ça c'est quand je vais vendre mes journaux à JS et mes cocktails. Genre, j'y vais comme ça, je me fonds dans le décor. Enfin non, parce qu'on me repère de loin, en fait. Mais bon. Ah ouais, en rose, oui, attends. Mais ouais, quand je vais vendre là-bas, comme c'est Inari qui m'a un peu relooké. C'est Inari, c'est une membre des Vagos. D'accord. Mais ce n'est pas jaune. Non, mais parce que dans mes prérequis, il y avait rose. Ah oui. Oh, cool comme ça, j'avoue, chef. Non, mais si ça... C'est la tenue que j'avais quand il y avait Bianchet. Franchement, cool. Ah, mais tu verras ma garde-robe, Michael. Bah oui, là je vois que vous avez un petit peu de style. Moi, j'ai changé le mien parce que je ne vais pas me balader avec ça. Oh! Ouais, je peux être comme ça aussi. Alors, moi, je vais pas montrer les tenues que je mets des fois parce qu'il y en a certaines. Disons qu'elles sont réservées. Je peux être comme ça aussi. Je peux être comme ça aussi. Ça va, le cool. Attendez, je vais passer mon... Moi, j'attends toujours une occasion de sortir à laquelle. Ah oui, celle-là. J'attends toujours une occasion. Oh là. Et ouais. Une scène ouverte. Hein. Franchement, ouais. Hein. Plutôt en printemps-été, quand même. Oui, bah, en même temps, dans le printemps. Bon, allez, let's go. Je vais mettre ça. Ah non, on a dit qu'on mettait celle-là. Déjà au printemps. Ah, on la remet celle-là. Ah, bon, on a dit qu'on mettait celle-là. Non? Je pensais que c'était pour montrer, mais ouais, carrément. Ah oui, bah après, on peut remettre. Ouais, ah on non, met non, j'en vois. Nickel. On y va, Michael? Mais. T'es avec les deux chaperons roses. Vous y allez habillé comme ça? Bien sûr! Ah, bien entendu, oui. Enfin! Faut pas avoir honte, Michael. Faut pas avoir honte. Ça pourrait être retenu sur votre salaire, Michael. Ah bah oui, non, déjà, il y a déjà beaucoup trop de retenue. Hein. Ah bon? Mais non. Et en route. Vous l'aviez passé avec qui, le PPA? Anora. D'accord. Vicky, tout va bien? Ouais, un beau mal de crâne. Ouais, j'ai vu ça, ouais.
J'espère que ça va aller. Alors j'ai une question. Ouais, t'inquiète. Est-ce que le docteur Nora, elle avait été corruptible ou pas? Non. D'accord. Non, en soi, je l'ai passé. Je l'ai passé, elle m'a fait des questions. Mais par contre, la question des pyramides, elle me l'a pas posée, quoi. C'est de... Je me demande si la docteur Lexi se moquerait pas un petit peu de moi. Pour les pyramides, je pense que oui. Hein. Il coûte combien le permis? 2000. Ou 1500, je sais plus. Je serais chaude pour le passer, juste pour voir combien de questions je réussirais à répondre. Ah bah, essayez. Par contre, si vous l'avez, je serais un petit peu vexé quand même. Ah, surtout que Michael n'y arrive pas. Mais Michael, vous inquiétez pas, moi j'ai loupé une fois aussi. Ah. Mais la première fois, je l'ai loupé parce que... Enfin, j'ai loupé. Non, la première fois, je l'ai... Ouais, non, je l'ai loupé parce que... J'étais pas très stable psychologiquement. Ah. Bah, c'est moche, mais en même temps, je les comprends. Oui, effectivement. Tu vois, à l'époque, je voyais des choses, j'avais des hallucinations à l'époque. Ah oui, quand même. Maintenant, ça va? Bah, bien sûr, sinon je l'aurais pas repassé. On va faire attention sur la gauche, j'ai pas trop envie de traîner par là. Je comprends. Et j'en profite pour regarder. Ouais, je suis toujours en top tendance. Ouais. Ouais, toujours, ouais. Sur quel tweet? Ah, mal promis en tendance. Les poufs de Los Santos. Les pétasses de LS. Voilà, les pétasses de LS. Ah oui. Alors, on s'est attaqué au Mont Josia, donc mettez le casque. Ouais, je vais le mettre. Hop là. C'est bon, tout le monde a son casque? J'ai mon casque. Oui. Parce que, en fait, pour vous expliquer, Michael, le Mont Josia n'a pas de chemin. Ah, très bien. C'est le seul qui n'a pas de chemin, donc faut les trouver nous-mêmes dans les montagnes. Donc. Et je crois que mon truc il est encore stock, donc. Ouais, c'est pas non plus genre. En vrai, ça va, c'est quand même. Ça reste un bon off-road, mais. C'est vrai que. Et vous voyez là, les falaises, comment les scars, elle est bien pointue là. Ah oui. Donc, faut faire gaffe quoi. Faut bien maîtriser. La dernière fois que j'ai prêté ce véhicule à Vicky, j'ai eu un peu peur. J'ai juste viré une portière parce qu'elle me gênait. Ah, oh, on est bien là. Et vous voyez le mont en face là, Michael? Ah oui. C'est le mont Chilette. Oui, je reconnais. On y a déjà été. Il y a des pumas par là ou pas? On regardait pas derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, c'est la base militaire, on va éviter. Bon, on la voit pas d'ici. Ah, j'arrive pas à monter, c'est terrible. Faut passer par devant, Michael. C'est par devant, Michael. Voilà. Parfait. Ah. Franchement, on est cool, là. Oui. Je vais m'asseoir aussi, quand même. La vue est magnifique sur le lac, quand même. Je suis d'accord. Ah. Qu'est-ce que vous pensez, Michael? Ah, c'est plutôt pas mal. La vue est magnifique, hein. Moi, j'aime bien. T'as bien raison. Surtout avec le soleil là qui. Oui. Ah, qui descend peu à peu. C'est vrai. T'as des nouvelles d'Amaro, Vicky? Je l'ai eu il y a quoi? Il y a 2 jours, je dirais. Il s'est juste levé pour me dire bonjour, mais il est vachement fatigué, genre. Mais ça va. Il m'a payé mon loyer. C'est le principal. Non, bah non, le principal c'est qu'il aille bien, mon loyer, je m'en fous.
Oui, le principal, c'est qu'il aille bien et qu'il te donne des nouvelles. C'est ça que je veux dire. Oui, bah c'est bon, bah il s'est levé, il est venu me voir Bah, pendant 3 heures. j'ai vu qu'il s'était levé il y a 2 jours. Bah il m'a. Moi, je refaisais ma carte de robe un peu. Ok. Sinon, hier, j'ai fait dépenser 49 000 dollars à Ezekiel. Ah bon? Ouais. Vous avez fait comment? Je l'ai incité à acheter une nouvelle voiture. D'accord. Il avait 49 000 dollars sur son compte en banque. Et du coup, il est à zéro, là. Il doit être à 1 000. Très bien, très bien, très bien. Un mec qui est anticapitaliste qui s'achète un véhicule, c'est bien. Non, mais en vrai, il a acheté une Il belle fallait voiture, commencer par là. une Gauntlet Hellfire, tu vois. Mais il a revendu ses autres voitures pour ça, quand même, monsieur. Ok. Mais attendez, il n'est pas avec d'autres prolétaires du style? Oui, il est dans un gang. Oui. Des croix. Oui, voilà, oui. Oui, il râlait que je ne lui avais pas dit bonjour alors que je ne l'avais même pas entendu moi-même. Ah, ils ont eu un problème avec le pénis il y a pas longtemps. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, genre, bon, moi je discute avec tous les clients à peu près, genre. Donc ça, c'est OK et tout, machin. Et Bankson a réparé une de leurs voitures pendant que je discutais avec eux. Et genre, en partant, bah, il a juste dit, bah, bonne soirée. Normal, quand il est poli. Et en fait, Albin a dit, genre, donc un autre membre, il a dit, ouais, il nous aime bien, mais sur un ton vachement ironique et tout. Donc Bankson est revenu en mode, bah quoi, il y a un problème et tout, nanani. Et genre, oh non, mais on sait que tu nous aimes pas, nanani, nanana et tout, donc ils sont un peu embrouillés et tout. Et donc maintenant, Ah oui. il y a Robbie qui veut aller parler à Yann de ça, mais Yann, il est au courant de toute l'histoire et tout. En plus, il veut prendre un contrat d'ailleurs. Ah bah ça se présente bien. Ah, mais il veut parler de respect à Yann, machin, tout ça, nanani et tout. Et je ne comprends pas. Bankson est Parler dans la de soirée. respect parler de respect alors que même n'en donne pas non. Ah, ils veulent. Ouais, voilà. Mais bon, sentiment, il a rien à se reprocher et tout, mais genre, Non, voilà. non. Et je parlais de respect, enfin, cette personne qui demande de parler d'avoir du respect, comment tu peux avoir du respect pour une personne comme ça, quoi? Bah, en soi, en plus, il était respectueux, genre, il les a pas insultés ni rien, Ah juste. non, mais je suis d'accord. Mais comment tu peux avoir un. Moi, par exemple, j'aurais jamais de respect pour eux, en fait. Oh, ça va. Moi, non, mais moi, un mec qui vient se vanter devant 3 témoins d'avoir enlevé 3 taxis Ah oui, non, une mais ça, je fois, comprends, non, mais se vanter de l'avoir fait. Et c'est complètement débile. moi, je suis jeune, ils sont pas vantés de m'avoir enlevé. Ben oui, non, mais pourquoi te vanter? Ça sert à rien. T'as fait une connerie, t'as payé, tu te vantes pas, tu. Voilà. À la limite, tu t'en vantes entre gangs, tu. Ouais, ok, ben voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà. Mais devant les gens des autres entreprises, non, merci. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'aies enlevé 3 de mes employés? À part me foutre les nerfs, j'ai envie de te frapper. Ben, je le fais pas en fait. Je Et après, vois. ils veulent qu'on soit respectueux, mais qu'ils soient déjà eux-mêmes respectueux envers les entreprises. Ah, disons que je vais pas non plus être irrespectueux avec eux, genre j'ai pas envie de mal finir. Voilà, non, mais tant que c'est professionnel, pourquoi pas, mais derrière, on s'en fout d'être respectueux avec eux. Un minimum quand même, Moi, genre. je les aime pas et je les aimerai jamais. Comprends. Je ferai un effort si Alia les invite parce qu'elle est très proche avec eux, mais c'est tout. Après, c'est pas très malin d'être proche d'eux. Après, c'est peut-être pas très malin, mais tu peux pas empêcher une personne d'être amie avec qui elle veut, en fait. En somme, moi hier j'ai fait une sortie avec Ezekiel. Ah d'ailleurs il s'est fait contrôler par la police. Justement il venait d'acheter sa voiture. Et c'est possible qu'on voulait voir un peu où est-ce qu'elle allait, genre. Ah oui, à quelle vitesse? Ouais. Et du coup? Bah du coup il y a la police qui nous a arrêtés. Mais j'ai fait mes jolis yeux, il a pas eu d'amende. Ah, J'ai jamais eu d'amende d'ailleurs quand je me suis fait t'aurais dû contrôler. le laisser payer. Je viens de lui faire payer 49 000 dollars. Ah!
Ah, mais il les a payés pour lui tout seul, c'est tout. Il doit payer si c'est lui qui coule. Bah, surtout si c'est la sienne. Oui, non, mais genre, je dis, ah, monsieur l'agent, en fait, il vient d'acheter une nouvelle voiture et tout, enfin, un genre de truc. Donc ça va. Et après, je me suis refaite contrôler, mais cette fois-ci, c'était Axel qui était au volant. Parce que je lui ai prêté ma S2 pour... Parce qu'il cherche une nouvelle voiture à acheter. Vous avez quand même pas de chance. C'est pas moi qui suis en train de payer les amendes, hein. Je suis pas au volant à chaque fois. Et au pire, encore une fois, les seules fois où je me suis faite contrôler, j'ai pas eu d'amende ni de retrait de points. On m'a juste dit, faites attention la prochaine fois, parce que, bon, voilà, j'ai dit, oh, mais j'ai pas vu, monsieur l'agent. Ouais, non, je connais, hein, je comprends. Oh, merci, c'est trop gentil. C'est rare, ça, en plus, comme denrée. Merci. Ouais, ouais, ouais. Comment tu trouves? Il est trop bon. Kill. On va peut-être bientôt en proposer dans les courses de taxi. Oh, intéressant. Pas bête. C'est pour ça, là, j'ai regardé dans mon sac, je les ai vus. On va partager. C'est gentil. Du coup, là, il en reste un pour Amaro, un pour Lisa, un pour Logan. Si quelqu'un veut un burrito ou un burger... Oh, et putain, bon, bah, on va y aller, hein. Bah ouais, tout commence à se faire tard. Et demain, je prends l'avion. C'est vrai. Vous allez où? Je vais voir ma famille à Vice City. Ah. Allez, le casque. Mmh. Oui. On refait un autre petit mont ou direction la ville directe? On peut faire un petit mont, puis la ville. Parce que là, ouais, il commence à être minuit et tout. Ouais. Ouf. Oui. Ah, les suspensions, elles travaillent bien. C'est pour ça qu'on les avait installées, je crois. Oui. Ah, je pense que l'agence s'est un peu trompée. Y'a moyen. Même pas besoin d'accélérer. Ah non, là c'est juste pour se laisser tranquille couler. La dernière fois, vous n'étiez pas très au fait de la physique, Victoria. Au fait de quoi? Vous aviez un peu du mal avec le côté de la physique, Victoria, la dernière fois. Ah oui, ça. Bah. Ouais, mais entre temps, ça va. Maintenant. Je l'ai réutilisé. Parfait. Et voilà sur la route. J'ai bien cru que nous allions arriver dans la rivière. On peut enlever le casque. Mmh. C'est vraiment pour les montées, je préconise de mettre le casque, on sait jamais. Ah mais t'as raison. Surtout pour le Mont Josia, quoi. Mmh. Pour moi, c'est pas les montées le plus difficile, c'est la descente. Parce que les gens ne font plus attention et ils font n'importe quoi. Oh. Ah là, ça va, je m'en suis bien sorti. Ah oui. Un quad. Moi, entre choisir à mettre le casque, soit la montée, soit la descente, c'est la descente. Hein. Mm-hmm. Les deux, hein, franchement, c'est cool. Petit arrêt au stand. Yes. Je suis trop loin. Oui, ça m'étonne pas. Je sais pas vous dire, ça me semblait un petit peu présomptueux. Ça veut pas? Ah! Non, mais c'est terrible! Je sais pas pourquoi il veut pas.
Bah, tu dois être encore un tout petit peu trop loin. Mais. Attention, attends, Michael. Et là? Mais sinon, remplissez un jerrycan et remplissez le véhicule après. Non? Bon bah, allez, laisse qu'on... On a un portail disparu? Ouais, c'est terrible. Je remplis à fond, comme ça sera fait. Mais j'espère qu'il n'y a pas de puma dans le coin. Là, normalement, ça devrait aller, je pense. On est chez les Picno. Ah oui, c'est très typique. Typique, je sais pas, c'est juste la campagne. Oui. Bon, et sinon, Michael, il semblait qu'il y ait des petites embrouilles avec les gens à l'église. Ah oui, comment vous avez su? Parce qu'on m'a raconté. Ah. Ah oui, ils ont été tout à fait désagréables. Ouais, ouais mais... Parce que j'ai compris, en gros, c'est le prêtre qui disait que tout le monde était égaux, et t'as dit que non, tu l'étais pas, c'est ça? Je... Attendez, parce que je... J'ai des contacts... avec les esprits, et j'ai l'impression qu'on devrait rentrer. Ah, d'accord. Je... Peut-être me déposer au parking vers le parking tricolore et... Ok. Ah, mais alors attends, mais j'en fais quoi ensuite du caracara? Peut-être le mettre soit au Bénise, soit dans le garage du dépôt des taxis. Ah, je peux l'amener au Bénis. Ah, mais comment je fais pour rentrer chez moi? Ah, c'est terrible. Eh ben, je vous ramène après. Ok, on va faire ça. Eh ben, allez. Mais non, on va prendre le volant. Mais. Ah. Bon, bah, très bien. Et donc. Donc mène-nous jusqu'à ta voiture. Oui. Donc le problème, c'est que le prêtre, au début, il a commencé à nous dire que nous étions tous égaux. Moi, j'ai dit que pas tant que ça, parce que ben, je ne suis pas égal à tout le monde. Par exemple, je ne suis pas égal avec les pecnos. Bah, ouais, mais... Disons que dans une église, genre, il y a un petit peu le truc, genre, j'ai fait un peu de caté et tout quand j'étais petite. Et genre, c'est un peu le truc de dire, ouais, tout le monde, il est égo, tout ça, on est les enfants de Dieu et tout, tu vois. Ah oui, mais pas du tout. Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais... Ah bah, dans une église, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Bah, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même été déçu. Parce qu'en plus de ça, bon, moi, je dis ça très bien. On discute avec le docteur Lexi et le docteur Triton. Et à un moment donné, le docteur Triton lui dit bah, si vous voulez, moi j'ai des remontées à vous faire par rapport à la messe, j'aurais des suggestions.
Il commence à les annoncer, et puis pendant ce temps, le docteur Lexi a commencé à faire des dons au pasteur. Bah, vous me croirez. Ah, c'est bien de faire des dons. Comment? C'est bien de faire des dons. Oui. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, il y en a que ça peut apprendre. Il y en a que ça peut amuser, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que le pasteur disait merci, merci, mon enfant, nanani, nanana. Et une fois que le docteur Triton a fini son résumé, le pasteur n'a même pas réagi. Il a dit merci pour les dons et bonne soirée. Ah! Alors moi, j'ai commencé à lui dire, mais attendez, on vous fait des remontrances, enfin, pas des remontrances, mais des remontées sur un peu tout ça, et vous ne réagissez pas. Par contre, vous réagissez bien à l'argent. Et il a commencé à être désagréable, à être dans le jugement. Moi, ça m'a agacé. Parce que... Je comprends. Ils ont leur sermon, mais alors une fois que qu'on sort de leur petit discours... Ah bah super. Non mais ils savent pas conduire, ces gens, c'est incroyable. Ils ne savent pas où ils vont. Non mais vous voyez, c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai des problèmes. Donc une fois qu'on sort de leur discours, eh ben ils ne savent plus où donner de la tête, et ils font n'importe quoi et ils jugent tout le monde. Oui, je vois. Et moi, je voulais bien mettre un avis sur l'église Bizer, mais il n'y en a pas. C'est vrai. Du coup, j'ai mis un message sur Twitter. J'ai vu ça. D'ailleurs, tu feras gaffe aux gens à qui tu réponds. Pourquoi? Bah, disons que c'est des comptes, je connais les gens derrière. Moi, j'ai répondu au pasteur, j'ai pas répondu aux autres. Ah, ok, ça va alors. Parce que les autres, c'est des haters. Moi, ça ne me préoccupe pas. Des haters, tout à fait. Le jour où ce sera des personnes importantes ou qui seront dans le débat, bon, oui, pourquoi pas, mais là... Bah... Disons que... Elana, je la connais bien. Et pareil pour... Antonio, je le connais un peu, et disons qu'il ne faut pas trop s'y frotter. Ah. Attendez, mais si, Antonio, oui, je vois qui c'est, oui. Et Lana, je pense que tu vois qui c'est aussi, à peu près. Bah, je suis pas sûr, mais... C'est une membre de la commune. D'accord, bah oui, mais après, ils sont sur Twitter. S'ils veulent pas de réponse, ils parlent pas, et puis c'est tout. Bon, allez, vas-y, prends ta voiture. Oui, on se retrouve au Bénis. Tout à fait. Oh, c'est terrible. Non, mais c'est le cas. Il m'a vandalisé ma voiture. Ah bon? J'ai dans le parking? J'ai une vitre cassée. Oh, mon pauvre, t'inquiète pas, c'est pas trop grave.
Et merci beaucoup. Bah, de rien. Faudra juste passer à l'entrée. Alors, après là, est-ce que j'arrive à la fermer de là? Oui. Hop là. Je crois que c'est là-bas que vous habitez à peu près. Montrez-moi. Ouais, totalement. Parfait. Ils ont mis les gyros ou pas? J'arrive pas à voir. Bon, ils ont pas l'air. Non, ils ont pas mis les gyros. Heureusement, j'étais clairement pas sur ma voie. Heureusement que j'ai pas été contrôlé tout à l'heure, c'était même pas mon véhicule. Oui, effectivement. Alors va-t'en lentement. Mais attendez, ils me suivent ou pas? Non. Bizarre. Tout va bien? Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Ah oui, non, tout va bien, tout va très bien, vous inquiétez pas. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée. Il était quand même au téléphone, au volant. Ah, j'avoue, ça c'est pas top. C'est terrible. Mais par contre, grâce à moi, on a un Gordo Farm Advisor. Ah, oh, cool! Oui. Comme ça, on peut donner notre avis sur sur les paysans qui font les choses à moitié. Oh, à moitié. Ah oui, c'est vrai. Comme tu m'as raconté. Oui. Bon, après ils m'ont rappelé aujourd'hui parce qu'apparemment ils ont retrouvé mes vêtements que j'avais laissés là-bas et que je voulais brûler. Mais du coup ils les ont nettoyés. Gentil de leur part. Tu voulais brûler tes vêtements? Ah bah oui. J'allais pas les nettoyer tout seul. Vu l'état dans lequel ils étaient. Alors, il y a pas longtemps, genre, lors d'une inter, une moto qui était vachement bloquée, j'ai fini genre dans la boue et tout. Ah, c'était galère, genre. Ah bah oui. Je suis tombé plusieurs fois de temps. Moi, dans ces cas-là, je vais pas nettoyer mes vêtements, il y en a pour des heures. T'as pas de machine à laver? Ah si, mais il faut les mettre dans la machine à laver, il faut les faire sécher et puis il faut frotter en plus parce que ça ne part pas comme ça la boue. C'est vrai. Moi, avant je demandais à mes valets, mais là j'en ai plus donc. Eh ouais, va se brouiller un peu. Finalement, c'est les pécores qui l'ont fait. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Bah oui. Hop là. Et merci beaucoup. Bah de rien. Bah fais attention à toi pour le retour et fais de beaux rêves. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Thank you.